Ah oh, non, pas vrai. Il n'accepte pas encore. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le défi 86. J'ai encore tourné la caméra. Bon, voilà. On va y aller comme ça. Des fois, Facebook veut, des fois, il veut pas. Aujourd'hui, j'attends Ariane Laberge, une autre intervenante du 7e ciel. On va parler de constellations familiales. Fait que j'attends Ariane. On va faire un direct ce matin, vers 10 h. Fait qu'aussitôt qu'elle est là, aussitôt qu'elle est présente, on va attendre le 10 h pile. Ça s'en vient. Mais Ariane, elle fait constellation familiale. Elle va vous expliquer mieux que moi en quoi ça consiste. Mais moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas nécessairement comme approche. Mais en la voyant opérer, en la voyant faire, c'est une approche qui est vraiment, mon Dieu, il existe tellement de choses hein, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Et si je peux résumer ça, okay, ça va peut-être maladroit de mon côté, là. Si je peux résumer un peu cette approche-là, c'est de dire que parfois on porte quelque chose dans nos gènes. Il y en a qui appellent ça le karma. Bon, appelez-les comme vous voulez. Parfois, on va avoir des comportements, on va avoir des agissements qu'on ne sait pas trop pourquoi, d'où est-ce que ça nous vient. On ne sait pas trop si c'est ça part de nous nécessairement, mais c'est on le porte. Hein? C'est comme si c'était dans la génétique, parce qu'on va remarquer que nos parents, nos arrière-grands-parents avaient les mêmes comportements, avaient le même fonctionnement. Souvent, c'est quelque chose qui nous vient de nos constellations familiales. Donc, c'est vraiment un fonctionnement qui nous vient de génération en génération. Et d'en prendre conscience, nous, aujourd'hui, faire la paix avec cette partie-là de soi-même, ben, ça va faire que non seulement nous, on va trouver la paix avec ça, mais ça va venir faire cet impact-là également sur les générations. Fait que fait que tout le monde en bénéficie finalement. T'sais. Fait que c'est de pouvoir mettre le doigt dessus, de pouvoir comprendre, de saisir le fonctionnement qu'on a. Fait que c'est vraiment fascinant, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Fait qu'Ariane devrait arriver bientôt. J'ai essayé de mettre la caméra sur le côté, ça veut pas. Facebook, il me dit, veuillez retourner le téléphone. Bon, OK. Bon, j'ai pas le choix. Faut que je les laisse de ce côté-là. En attendant qu'Ariane arrive, parce que c'est quand même, hier, on a tellement eu de la difficulté avec Eudoxie, il a fallu s'y reprendre 4 fois pour que ça fonctionne. La technologie aujourd'hui, c'est vraiment pas évident. On va attendre de voir que si ça va fonctionner avec Ariane. Ça va être ça. Je vais juste m'assurer, je reviens dans pas grand temps. Je vais juste m'assurer qu'Ariane est. Ariane, est-ce que tu es là? Fais-moi un coucou. Fais-moi un coucou. Je te vois pas. Je te vois pas apparaître à l'écran. Aujourd'hui, je suis en visite chez une amie, chez Marjolaine. On va avoir un direct aussi cet après-midi avec Marjolaine. Je suis sur ta page pro. Oui, c'est ça. Attends un petit peu. Je vais répondre à. Hop. Ah, te voilà, Ariane. Je t'envoie l'invitation. Ajoute pour. Ça s'en vient. J'essaie de le mettre bien, mais ça ne marche pas. Comme ça, comme ça. Hey, priseur, ça marche. C'est fantastique. Hey, hier, on a eu tellement de difficultés avec Eudoxie. C'était épouvantable. 4 fois pour réussir à se loguer ensemble. Salut! Comment vas-tu? Franchement, bien. Super bien. J'ai passé une nuit fantastique. Je suis chez une amie. Je suis chez Marjolaine, ici présentement. C'est un havre de paix. C'est vraiment Ouais, merveilleux. t'as l'air en nature. Ouais, regarde, je te montre un petit peu. C'est dehors. Ah, oh, wow! Magnifique. C'est vraiment un beau petit domaine d'havre de paix. Fantastique, là. Wow! Fait que voilà. Super! Fait que bienvenue. Super contente de te parler aujourd'hui. Le septième Ben, ciel, ça moi s'en vient. aussi. Ça commence la semaine prochaine. Ouais, ça va vite, hein? T'as passé un bel été? Ouais, rock'n'roll, mais un très bel été, très bel été. Ouais. Toi?
moi aussi, très émotif. Oui, hein, ça a Ouais. brassé beaucoup, puis même dernièrement, hein, ça a brassé pas mal pour toi. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la vie. J'ai perdu ma maman. Ça a été. Ouais, c'est ça, beaucoup d'émotions. Ouais, c'est ça. C'est une grosse épreuve. Elle était malade. Fait qu'on en a pris soin beaucoup avec mes soeurs les derniers moments. Mais ça a été aussi des super beaux moments. En même temps, riche, mais Oui, ah oui, en vraiment. émotion, puis Ouais. l'accompagner vers sa dernière destination. Ouais, vers son prochain voyage. Fait que. Vers le Ouais. septième ciel, finalement. Mais c'est pas Eh ça oui! qu'on fait dans le septième ciel. On va rassurer tout le monde quand même. Il y a bien des significations au septième ciel, mais là, on n'y va pas Oui, jusque-là. on ne prendra pas celle-là, c'est ça, On pas ne pour ton prendra pas ça. programme, non. Non. Fait Donc, qu'à ça toi. commence la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Tu es Déjà, déjà. intervenante du septième Oui. ciel. Tu as déjà vécu les deux premières cohortes avec nous autres. Tu Tout continues à fait. l'aventure pour la troisième cohorte. Oui. Et j'aimerais ça que tu expliques pour ceux qui ne connaissent pas ça, les constellations familiales, tu sais, un peu qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi dans le fond ton implication à travers le septième ciel? Comment est-ce que ça se passe pour que les gens aient une meilleure idée de. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas parler souvent de ça, tu sais, les Non, constellations c'est très familiales, peu connu. très C'est beaucoup peu plus connu. connu. Ouais, c'est plus connu en Europe. Ça vient de l'Europe, de toute façon. Ça vient de l'Allemagne. D'un monsieur qui s'appelle Bertellinger. Au Québec, malheureusement, c'est pas très connu. Puis, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ça fait pas que c'est pas moins puissant pour autant. Je Oh dis non, souvent que les c'est pas ça. constellations familiales, hein, t'en as été témoin, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Qu'est-ce que c'est dans le concret? Bien, en fait, c'est les constellations, c'est l'étude de tout ce qui touche le système de la famille. Donc, c'est régi par des grandes lois, c'est un système. Puis un système, bien, comme dans le grand ordre de toute chose qui existe, ça doit se maintenir, maintenir son équilibre, comme la planète Terre maintient son équilibre, comme notre corps doit maintenir son équilibre. On est un organisme, c'est un être vivant, c'est un système en soi. Et pour assurer la survie, il doit maintenir l'équilibre. Le système familial, c'est exactement la même chose. Donc, pour maintenir son équilibre, il régit à des grandes lois. Et puis, nous, en tant qu'individus, comme on appartient à ce système-là, qui est notre système de la famille, qui est nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et on peut remonter pendant plusieurs générations. Eh bien, on porte souvent en nous ce qu'on appelle des loyautés d'amour. Des On pourrait loyautés dire, d'amour. ouais, moi j'aime utiliser ce terme-là. Tu sais, on pourrait dire que c'est de la génétique, mais il y a des études qui démontrent que la génétique, si je prends de ton ADN avec de l'ADN de tes parents, il y a un très faible pourcentage de ton ADN qui est identique à celui de tes parents. Donc, c'est Tout plus le au niveau de reste. l'âme, là. C'est plus au niveau de l'être, plus que Ben, le corps. oui, c'est en fait, c'est une appartenance, c'est une loyauté d'appartenance à mon clan. Puis ça, c'est extrêmement fort chez l'être humain. Donc, pour sentir que je fais partie, c'est une façon, dans le fond, là, de façon vulgarisée, de dire à mon parent, je t'aime tellement que je vais être comme toi. Puis c'est inconscient. Ben, tout à fait. Puis ce qui est inconscient, ben, c'est ce qui a le plus d'impact et le plus de pouvoir sur nos vies. Puisque comme c'est inconscient, on n'en est pas conscient, on ne peut pas s'en occuper. C'est le premier pas vers la guérison, je dis toujours, c'est la prise de conscience. Ah, ça, c'était là. Du moment où je sais consciemment que ça existe, ben, je peux m'en occuper. Mais comment je peux m'occuper de quelque chose que je ne sais même pas qui est là? Concrètement, comment est-ce que tu fais pour nous en faire prendre conscience? Ça, c'est assez fantastique, la façon dont tu t'y prends, là. Explique-nous ça un peu. Comment tu arrives à nous faire prendre conscience de ça? Ou d'observer avec tes interventions là, dans le septième ciel, là. Je trouve ça fantastique, c'est extraordinaire. Raconte-nous ça. Ouais. Ben, en fait, je questionne beaucoup sur tu sais, moi, là, je pars du fait que je sais rien. Tu comprends? J'ai aucune idée. Puis ma curiosité veut découvrir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que je questionne la personne sur, par exemple, tu sais, Chantal. Tu sais, là, quand on traite d'un sujet, mettons, de constellation, là, la personne, au départ, là, elle va dire « Ah, ça, là, c'est l'histoire de ma vie. Ah, ben voyons, il me semble que j'avais travaillé là-dessus. Comment ça que ça revient encore?
Ça arrive juste à moi, ces enfants-là, ça m'arrive tout le temps. C'est quelque chose qui est récurrent, qui revient, puis ça nous nuit dans notre vie. On ne règle pas des affaires qui nous font du bien, là. On veut aller travailler quelque chose qui nous dérange, qui nous limite. Fait que moi, en questionnant la problématique que tu vas aborder, je veux savoir, tu sais, comment ça se passe dans ta vie, comment ça se passe, c'était quoi ta relation à tes parents? Parce qu'il y a plein de facteurs, indicateurs. Fait que je vais questionner sur la relation aux parents, la relation au père, la relation à la mère, la relation avec les frères et sœurs, la relation avec le conjoint. La relation avec le conjoint, là, puis moi, c'est là ma grosse intervention dans ton programme parce qu'on parle de relation de couple et le Beaucoup. couple, c'est le reflet de notre relation aux parents, rien de moins, rien de plus. C'est le terreau idéal, parfait, pour venir mettre en lumière les problématiques qu'on a dans notre vie qui n'ont pas été réglées. Fait que dans mon couple, souvent mon conjoint me projette ce qui ne va pas dans ma famille. Et à moi de C'est m'en notre occuper. déclencheur principal. Tu sais, Tout c'est à pas pour fait. rien qu'on l'attire à nous, à quelque part. C'est parce que c'est avec lui qu'on a le plus d'affaires à Ben oui, travailler, finalement. Tu sais, c'est parce ou à qu'on a prendre deux conscience. histoires qui vont ensemble. Donc, Même si en ça ne se ressemble questionnant, vraiment pas quand on l'observe. Tu sais. oui, tout à fait. Oui, J'observe, parce moi et mon que. mari, là, on a deux vécus, mais complètement différents. Là, tu sais. Oui. Mais à quelque part, on vient se rejoindre pareil. Là. Oui, c'est ça. Le fond de trame de l'histoire vient se rejoindre. C'est pour ça que vos histoires s'emboîtent une à l'autre. Puis qu'on attire à soi la personne parfaite pour avancer, pour évoluer, pour cheminer. Fait que c'est vraiment génial, tu sais. J'ai remarqué que tu travailles beaucoup avec, tu sais, le côté féminin, le côté masculin en soi, de trouver Oui. l'équilibre là-dedans. Fait que tu travailles beaucoup avec ces deux aspects-là aussi, toi. Oui, la constellation, c'est une chose. Les côtés aspects, je travaille beaucoup avec les archétypes féminins et masculins. Tu sais, j'aime bien dire, c'est pas féminin et masculin, ce sont des énergies féminines et masculines. Tu sais, on a tout un homme en nous qui est masculin, on a tout un gestionnaire en nous, mais on a tout aussi, pour les femmes, une petite fille qui est féminine. On a toute une amoureuse qui est féminine. On a toute une Aphrodite qui nous permet une sexualité épanouie. Mais quand elle a été blessée, c'est assez difficile, moi, dans ma vie d'adulte, de m'épanouir sexuellement dans ma relation. T'sais. Si ma petite fille a été blessée, ben, il y a des bonnes chances que quand j'ai une argumentation avec mon amoureux, c'est la petite fille qui se pointe, qui a l'impression de se faire. Fait qu'il faut équilibrer ces rôles-là, ces archétypes-là qui sont en nous pour pouvoir avoir vraiment une vie. T'sais, équilibré, puis être capable d'avancer et que ce soit que la représentante de la conversation, quand il se passe quelque chose, ce soit l'adulte que je suis aujourd'hui, ce soit la femme ou l'homme que je suis aujourd'hui, et non pas mon ado attardé ou ma petite fille blessée. Tu nous aides beaucoup, en fait, à comprendre notre fonctionnement à travers, pas nécessairement les blessures, là, parce que tu nommes pas nécessairement comme ça, toi, hein, les cinq blessures de l'âme et tout, même si tu travailles en fait Oui, ça pareil, ben, ça revient à ça. elles sont là, mais c'est ça, c'est pas mon approche. C'est ça. Puis en même temps, moi, j'aime bien dire une chaudière à caca, là, tout le monde en a une. On n'est pas obligé de retourner là pour savoir que ça sent pas bon. Fait que je ne vais pas tellement dans l'approche de retourner dans la blessure, mais plutôt dans c'est quoi la solution aujourd'hui, qu'est-ce que je peux aller équilibrer? Qu'est-ce que je peux travailler qui va venir renforcer qui je suis, l'être équilibré que je suis aujourd'hui, plutôt que d'aller refouiller dans ma blessure et de la gratter? Puis, Ouais. je remarque que ça va beaucoup aussi dans la gestuelle, tu sais, dans toutes les observations, c'est de dire, tu sais, est-ce que quand tu prends ton conjoint dans tes bras, est-ce que tes bras sont Ouais. au-dessus, est-ce que tes Hey. bras sont en dessous, tu sais, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de prise de conscience là-dedans sur, regarde le geste, la signification du geste quand que tu fais ça, fait que tu te retrouves plus dans telle situation, dans telle action. Tu sais, je trouve ça fascinant, c'est vrai que, puis je te dirais que les élèves du septième ciel, ils ont été énormément, pas frappés, mais pas affectés non plus, c'est pas ce mot-là que je voudrais dire, mais tu sais, secoués à quelque part par toutes les observations que tu as pu leur faire prendre de leur comportement face à leur partenaire ou face à leur relation qu'ils pouvaient vivre, soit avec leurs parents ou
les enfants et tout ça, de quelle façon est-ce qu'ils agissaient, ils interagissaient pour venir voir, regarde, puis va te nourrir, va prendre de telle façon, va, Ouais. tu sais, pour vraiment accepter, c'est ça, de se nourrir là-dedans. Ouais. Il y a des espaces, des fois, C'est où on en ne fait, permet c'est pas, ça, c'est que souvent des petits gestes concrets de la vie qui vont venir guérir la blessure, qui semblent totalement anodins. Tu sais, comme quand tu dis prendre la vie, tu sais, la relation à la mère, c'est la relation à tout. Tout ce que j'ai autour de moi, le numéro un, c'est la relation à la mère. Quand j'ai été privée de ma mère, ben ma mère, c'est ma nourriture de vie. Nécessairement, j'ai de la difficulté à prendre des autres. Fait que je ne vais pas chercher de l'aide, je me surcharge. Ça là. Fait que, tu sais, moi, les comportements que j'amène à nommer qui font prendre conscience, c'est justement les conséquences de la blessure et le causer quoi. Puis souvent, les gens, ben c'est ça, c'est tellement un. Tu sais, l'être humain est un fin stratège, les gens. Fait qu'il vit tellement avec ce mode de vie-là que c'est un peu comme le bruit de frigidaire. On ne le remarque plus, on ne l'entend plus. Puis là, quand on met le portrait clair, les gens font comme Oh my God, ben oui, toi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. OK, mais ça vient de là. Je pensais juste que j'étais comme ça. Oui, c'est ça. Ça vient Je mettre pensais des juste que c'était images. normal d'être Oui. que de faire ça. Je pensais que c'était dans ma nature. Mais tu sais, notre nature, on ne l'a pas pigé dans un catalogue, là. C'est ça, c'est ça. Ça vient Elle nous vraiment mettre vient en de. lumière une conscience, une prise de conscience, une conscience de qui je suis. Qu'est-ce que je porte? Ouais. Qu'est-ce qui m'habite? Puis de quelle façon est-ce que je peux m'occuper de moi aussi là-dedans, puis m'accorder plus de bienveillance, m'accorder plus d'amour? Le but, c'est ça, Ouais. dans le fond, hein? Ce qu'on cherche le plus, c'est d'être bienveillant, puis de D'être s'accorder du bienveillant, plaisir. oui, d'être bienveillant envers soi-même, d'être sa meilleure amie, son meilleur ami. Tu sais, ça a l'air bien kitsch à dire, mais ça reste que c'est ça la base de tout. Tu Oui. sais, la petite fille blessée qui est en moi. Tu sais, je peux prendre l'exemple de ma mère. Tu sais, je viens de perdre ma mère. Et qui, sur le moment, quand elle apprend la nouvelle qu'elle va perdre sa mère, est en panique? C'est la petite fille en moi. C'est la petite fille qui me dit, non, non, je ne veux pas perdre ma maman. C'est ma maman. Ça se peut pas. Mais la femme, là, que je suis aujourd'hui, capable de comprendre que ça fait partie de la vie, que la mort, c'est la vie, que c'est un cycle. Mais la femme en moi est capable de rassurer cet enfant-là qui est en panique. Mais si je laisse cet enfant-là prendre le dessus, ou si dans mon histoire de vie, mon enfant est blessé ou a une blessure directement reliée à ça, bien c'est sûr que je risque d'avoir des débordements émotifs, de mal gérer la situation. Mais la femme que je suis aujourd'hui, elle peut être bienveillante envers cet enfant-là. Mais ça va au-delà du rationnel. Ce n'est pas une question juste de réflexion et de rationnel. C'est quelque chose qu'on va prendre conscience, mais qu'on va aussi toucher, là. Oui, c'est pas une logique de 1 plus 1 égale 2. C'est une Ça résonance, demande, là, tu sais. oui, puis ça demande une introspection, ça demande d'être en contact avec ses émotions, de savoir ce qui se passe en dedans, d'aller voir ce qui se passe en dedans. Parce que je peux très bien faire ça, là, Puis mais le tout but ramener dans ma ultime. tête, là. Le but ultime de tout ça, tu dirais que c'est quoi, toi? C'est Ben, de faire ce genre d'approche-là, le but de se ultime, comment? libérer. De se libérer et de vivre sa vie librement. Sortir de ce carcan-là où on n'a Oui, pas tu conscience qu'on sais, est dans l'inconscient. l'image que je pourrais, que je donne souvent, c'est, puis je suis convaincue qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Tu sais, dans la vie, là, on avance, on met des projets, puis à un moment donné, whoop, on a l'impression qu'on a toujours un élastique qui nous retient en arrière, ou qui, puis Fige. tu dis, ben voyons, ça marche jamais mon affaire, ou oh, comment se fait que telle chose, ou. Puis ça revient tout le temps à la case départ, ben c'est ça. L'idée, quand on en prend conscience, quand on guérit ces choses-là, ben ça enlève ces élastiques-là. Ça libère le système. Puis la Ouais. beauté de ça, c'est quand je me libère moi, Ouais. ben je libère mes enfants aussi. Parce que des Ouais. patterns de vie qu'on voit de génération en génération, si moi je les règle pas puis je m'en occupe pas, ben je les transmets à mes enfants. Parce qu'on vient quand même jouer dans l'énergie à quelque part. T'sais.
Puis de ce que je dégage, puis de ce que je porte, puis fait, quand tu le règles dans l'énergie. Oui, puis de ce que je transmets à mes enfants comme bagage, comme héritage. Et ça, c'est énorme, parce que pour moi, c'est une façon de co-créer à un demain meilleur. Si nous, on s'occupe de nos bébites, ben notre génération future, qui sont nos enfants de demain, c'est notre génération de demain. Ah, puis on l'observe, hein, c'est tellement vrai, c'est tellement puissant. T'sais, la personne qui va vraiment faire le travail sur elle-même, puis tu sais, travail, j'aime pas le mot, là, qui va vraiment aller faire un cheminement, disons-le comme mm-hmm. ça, sur elle-même pour aller faire des prises de conscience, pour aller trouver, toucher à sa paix. Et quand tu le fais pour toi, la résonance que ça fait automatiquement dans ton entourage, tu vois l'impact que ça a sur les autres. Tu vois que ça aide, les autres se transforment à travers cette énergie positive-là aussi. Puis tes enfants ben oui. ont le bénéfice de ça. Moi, je l'ai observé chez mes enfants. À chaque fois que je faisais des formations où moi, je me transformais, là, je voyais automatiquement les enfants. Puis les enfants, c'est des éponges. T'sais? Oui, tout à fait. Puis tu sais, au-delà de ça, tu sais, un biologiste anglais qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui a fait des études, et lui, ce qu'il appelle, c'est il nomme ça le champ morphogénétique. Tu sais, c'est le champ énergétique dans lequel l'information est logée. Quand moi, je fais un changement, ça, nécessairement, ce changement-là se transforme. Et tu sais, ce champ-là, c'est tous les êtres d'une même espèce. Tu sais, si on pousse la on est tous reliés. On est tous reliés. Donc, c'est ce champ-là, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que tous les êtres d'une même espèce ont accès à ces informations-là. C'est en physique quantique, on appelle ça un égrégore, et je vais aller puiser l'information là-dedans. Fait qu'au-delà de même la transmission à mes enfants, qui est par les loyautés d'amour, quand je fais une modification ou un changement de prise de conscience, ben ça amène à un autre niveau. J'amène aussi un changement dans cette conscience collective-là. Fait que c'est pas rien, hein. Ah non, et c'est fascinant. Moi, je l'ai observé, en tout cas, dans le programme. Écoute, ça fait deux cohortes déjà que tu es là. L'interaction avec les gens, ce que ça leur apporte. C'est franchement fascinant de voir la transformation graduellement qui se fait chez les gens. Mais en tout cas, chaque intervenant, de toute façon, il a sa couleur. Mais que chaque approche comme la tienne, tu sais, en constellation familiale, ce que ça peut venir me nourrir, ce que ça peut venir faire comme prise de conscience et ce que je peux aller toucher comme bien-être suite à ça parce que je prends pouvoir sur certaines choses, tu sais, c'est hyper nourrissant. Puis tu sais, le but au final, ça reste un, tu sais, de reprendre, tu l'as nommé le mot, tu sais, c'est reprendre son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur. C'est avoir la liberté, le pouvoir, le contrôle sur sa propre vie, plutôt que de vivre sa vie. Tu sais, moi, j'aime bien dire, la vie, là, c'est comme une grande pièce de théâtre. Arrêtez de prendre des rôles de second plan. Arrêtez d'être des figurants. Prenez le premier rôle. C'est ta pièce. Tu sais? Parce que si tu ne prends pas le premier rôle dans ta pièce, là, ben c'est quelqu'un d'autre qui va le jouer à quelque part, puis la pièce, elle se déroulera pas comme c'est supposé ou comme tu aurais souhaité. Exact. Fait que, tu sais, arrêtez de laisser ce rôle-là à quelqu'un d'autre. Reprenez votre pouvoir personnel. Puis mettez-vous dans vos souliers de... Oui, moi, je suis très, très imagée. Oui, mais je trouve que c'est facile de comprendre, oui. Ouais, je trouve ça bien fun à comprendre. Puis, tu sais, ça vient faire... Ça vient toujours résonner quelque chose, tu sais. Puis même, tu sais, si... Dans une intervention, quand même qu'il y aurait une seule personne, c'est un seul exemple d'une seule personne qu'on prend puis qu'on fait pendant cette heure-là une intervention avec une seule personne. Les autres qui sont là, ils se sentent tous interpellés par ça. Oui. On a tout quelque chose à comprendre et à apprendre là-dedans. C'est là où on voit où on est tellement vraiment interreliés. Puis ce que ça le fait. C'est ça. Toutes les histoires se rejoignent, là. Oui, c'est effectivement. Ça. Toutes les histoires se rejoignent. Même si les circonstances sont différentes, les émotions sont très semblables. Fait qu'on se retrouve toutes à quelque part dans ça, puis c'est puissant. T'sais. C'est puissant comme outil. C'est fantastique. Ouais, on va inviter les gens à venir se joindre au 7e ciel pour venir vivre cette expérience-là.
de venir voir, c'est parce que vous avez tout accès à ça à travers le septième ciel. C'est pas seulement une formation en ligne, tu sais, sur 7 semaines. C'est que vous êtes accompagné. Vous avez des interventions extraordinaires comme Ariane qui est là avec les constellations familiales pour venir vous faire faire des prises de conscience. Vous avez vu un peu de quelle énergie elle vibre aujourd'hui. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe à travers la formation. Quand que vous venez vous connecter pendant ces temps d'intervention, où elle travaille avec vous sur ce que vous voulez. Puis même des fois, tu n'as aucune idée de ce que c'est, hein? Tu arrives juste avec une situation, hein? Tant Oui, que. tout à fait. Puis là, tu nous décortiques ça, puis tu nous en. C'est extraordinaire. C'est vraiment fantastique. Moi, à chaque fois, là, c'est vraiment. C'est bon, tu sais. C'est bon. Ça goûte bon. C'est vraiment le fun. En tout cas, je vous souhaite vraiment tellement de vivre ça, puis de vivre toute cette variété-là aussi, à travers toute cette brochette de professionnels qui est extraordinaire, qui vibre de. Tu sais, ça vient du cœur. Tu sais, ça sent, là, tu sais, que chacun des intervenants, toi comme tout le monde, là, tu sais, que c'est. Ça vous sort des tripes, là. Tu sais, c'est quelque chose que tu Oui, portes, là, puis que tu crois tout à tellement, fait. puis que Ouais. tu l'as vu, puis ça fait tellement de bien autour de toi que, tu sais, tu es transporté par une énergie qui est débordante, tu sais. Puis ça se transpose à travers à travers le programme, à travers les interventions. Donc, venez vivre l'expérience du septième ciel. Il reste quelques jours. On ferme les portes le 9 et on commence le 10, drette là, en partant. Oui, puis si je peux me Avec. permettre, parce que tu sais, j'ai vu les gens de la première et de la deuxième cohorte, là, c'est beau. C'est tellement beau de les voir, tu sais, se déployer, Ah, c'est se touchant. développer, les prises de conscience qu'ils font, comment ça leur permet d'avancer, c'est magnifique. C'est un beau cadeau à se faire, Ouais. sincèrement. Puis tu pognes la Oui. piqûre, tu sais, c'est les premières, là, déjà, là, tu sais, ils s'en nourrissent, puis ils veulent plus arrêter, là, tu sais, Oui. parce que c'est nourrissant, puis tu sens que tu avances et tu avances. C'est pour ça qu'en fait, on offre la possibilité de pouvoir étirer ça à vie. T'sais. Pas juste 7 semaines, pas juste 7 mois, de l'étirer aussi longtemps que tu en ressens le besoin Que tu en as le besoin, et c'est que tu ça, en oui. as le besoin. Puis dans les premiers temps, tu as besoin plus d'assistance, mais plus ça va, plus tu deviens autonome dans ce Oui. processus-là. Puis c'est l'idée, c'est ouais, c'est ça, c'est de devenir autonome à travers ça. Mais effectivement, c'est relatif à chacun. Puis il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement Plus, un petit peu plus long. c'est C'est ça. ça. Puis d'autres, Oui. ça va plus rapidement. Oui. C'est ça le chiffre 7 en 7 ans. Il faut y aller à son rythme aussi, il y a quelque part dans ça. Puis c'est ce que le septième ciel vous permet de faire et vous permet de vivre avec des gens fantastiques comme Ariane, comme intervenante à travers ça. Merci, Ariane. Merci de Merci à toi, t'impliquer. Chantal. Merci de ta présence à travers le Ça me septième ciel fait pour grandement porter toute plaisir. cette énergie, cette lumière, cette compréhension, cet éclaircissement, de permettre à ces gens-là, tu sais, de pouvoir avancer, cheminer dans leur bien-être d'une façon délicieuse. Ouais. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Donc, sur ça, je vous mets les liens en dessous si vous voulez vous inscrire. C'est les derniers 1 000, c'est les derniers temps. Écrivez-moi un message privé si vous voulez avoir accès à des escomptes. Sur ce, je vous laisse et je vous dis merci. Merci Chantal. Bye, Ariane. On se retrouve nous autres la Bye, semaine bonne fin de prochaine. journée. Fait que, bye à tout Oui. le monde. Ciao. Bye.